Salut, salut tout le monde! Non, c'est pas Alexis. En fait, c'est parce que Alexis lance une nouvelle série d'entrevues sur sa chaîne. Et son premier invité, ça va être quelqu'un de... Comment dire? Quelqu'un que, honnêtement, j'aime beaucoup. Quelqu'un qui est drôle, qui est spontané, qui est assez spectaculaire. C'est moi! Oui, Patrice Bélanger. Très heureux d'être son tout premier invité. Alors, assez parlé de moi. En fait, non, c'est pas mal ça qu'on va faire pendant toute l'entrevue. Je vous présente Alexis! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait grand plaisir, Alexis. On t'a tenu en tant que tuteur. Est-ce que tu préfères animer ou jouer un rôle? Ça, c'est une question qui est toujours difficile pour moi à répondre, Alexis, parce que je pense que les deux se peuvent. C'est-à-dire que c'est deux affaires qui sont pour moi complètement différentes. C'est-à-dire que quand t'animes, c'est moi, c'est Patrice Bélanger qu'on veut et qu'on souhaite voir. C'est-à-dire ma personnalité, ma répartie, ma nature, moi. Puis quand je suis acteur pour jouer un personnage, ben là, à ce moment-là, on veut cacher Patrice Bélanger derrière le personnage qui s'appelle Justin, qui est silencieux, ténébreux, peut-être un peu inquiétant, qui parle moins que moi. Oui, ça se peut des fois que je parle moins dans la vie. Mais donc, fait que pour moi, c'est deux affaires qui sont complètement opposées, mais complémentaires. Puis c'est deux métiers qui sont différents, mais qui me font autant triper. Quand j'anime, je suis pas un acteur frustré qui joue pas assez, donc je vais animer. Ou quand je joue, je suis pas un animateur qui a plus de projet, donc je m'en vais jouer. C'est vraiment quelque chose que, dans mon plus jeune âge, quand j'avais ton âge à toi, à Gatineau, adolescent ou jeune adulte que j'étais, je faisais de la télé, de la radio communautaire en animation, puis je jouais dans des pièces de théâtre communautaire et semi-professionnelles en Outaouais aussi, parce que j'avais ces rêves-là d'être animateur et acteur. Puis je te dirais que c'est même un peu une fierté que depuis maintenant presque 20 ans que je fais carrière, même si j'aime pas le mot parce que ça me vieillit, mais j'ai eu 40 ans, faut que je l'assume. Mais donc, je te dirais que j'ai une certaine fierté de voir que ces deux trucs-là existent encore dans ma vie professionnelle. Des fois, j'anime, des fois, je joue. Là, de ce temps-là, depuis 2-3 ans, j'anime beaucoup plus que je joue. Puis je me dis, c'est parfait. À un moment donné, le jeu reviendra. Puis tu sais, il y a tellement de gens qui m'ont précédé dans ces deux carrières-là. C'est-à-dire, puis je me compare pas en talent, là. Ils sont bien meilleurs que moi. Pas tous, mais non. Mais tu sais, t'as des André Robitaille, des Charles Lafortune, des Guy Jodoin, des Marc Labrèche, qui ont des moments animés, d'autres moments plus joués. Puis je pense que c'est des cycles et je suis hyper gâté. Ce que je peux dire, c'est que quand j'anime beaucoup, je m'ennuie de jouer. Mm-hmm. Et quand je joue beaucoup, je m'ennuie d'animer. Donc ça se présente dans ma vie. Mais est-ce qu'il y en a un que je préfère plus que l'autre? Je suis obligé de te dire que non, j'aime vraiment autant les deux. Et pour moi, c'est deux. Puis tu sais, un jour peut-être que je ferai de la mise en scène ou de la production en télé. Ou un de tes rêves, faire de la mise en scène? Ou... C'est pas encore un rêve, mais je me rends compte que j'ai un intérêt. Quand je vois des choses, je fais « Ah, on dirait que j'aurais fait ça à la place. » On dirait que naturellement, des fois, j'ai « Ah, pourquoi ça? J'aurais peut-être fait ça comme ça. » J'ai aucune idée si j'en ferai un jour. Mais si j'en faisais, ce serait pas parce que je joue plus, donc je vais me faire... Tu sais, c'est jamais un prix de consolation pour une autre affaire qui se passe pas. C'est... Je suis hyper gâté d'avoir un métier qui se renouvelle et se diversifie de lui-même. Puis je suis un touche-à-tout dans la vie, je suis un curieux. Tu sais, animer, tu peux le faire juste à la télé, juste à la radio, je vais le faire dans les deux. Jouer, tu peux jouer au théâtre, à la télé, au cinéma, ou sur une scène. J'essaie de faire un peu tout ça. Donc, tout ce que je veux que les gens sachent et comprennent, c'est que je le fais avec la plus grande authenticité et vérité à chaque fois. Il y en a qui vont me dire, on te voit partout, comment ça? Ben, c'est juste parce que j'aime ça. Je suis boulimique de mon métier, puis je suis gâté pourri de pouvoir en faire autant, mais je le fais tout le temps dans une vérité et une authenticité, juste parce que ça me fait triper. Jamais il y a un gros projet de télé qui arrive et tu vas devoir laisser la radio et tu vas laisser la radio et faire le projet. J'aime pas du tout ta question. Ouais, tu vas faire des non-projets et... Ah, c'est tough ça, Alexis. Qu'est-ce que je ferais si un projet arrivait de télé ou de cinéma pour m'obliger à choisir? Aïe, aïe, aïe. Écoute, on dirait que spontanément, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, on dirait que là, je suis « Ah, oh, ce serait le fun de jouer. » En fait, la chose que j'essaierais de faire, assurément, c'est de parler aux deux gestionnaires de projet et dire « T'es sûr que ça se peut pas de faire le maximum pour que les deux puissent cohabiter? Hey, » mais là, si ça se peut pas, puis qu'il faut que je choisisse... En fait, il faudrait vraiment que le projet de télé et ou cinéma, le personnage que j'ai à jouer, me fasse évidemment triper assez pour quitter la radio ou la télé en animation. Parce que ça, c'est des... Tu vois, des fois, les gens me demandent c'est quoi la difficulté dans ton métier ou quels sont les obstacles. Puis ça, c'en est un. C'est-à-dire que
tu sais, là, la radio, ce que tu me demandes, tu sais, je fais, disons, en chiffres, là, c'est comme une année scolaire. C'est 190 jours ouais. où je m'en vais animer, où je m'en vais travailler, où j'exerce mon métier, où je parle aux gens dans leur auto en train de déjeuner ou en arrivant dans le stationnement à travail ou dans le métro, dans les transports communs. Et là, tu me dis, j'aurais peut-être 20 jours au lieu de 190, mais sur un film, pour jouer tel personnage avec telle équipe, tel acteur, telle réalisatrice, tel... C'est tellement des... Tu sais, ça se compare, puis ça se compare pas en même temps. Tu vois, j'essaie d'éviter ta question. vraiment. Qu'est-ce que je ferais? Je vais répondre, parce que quand je pose des questions à mes invités, je veux qu'ils répondent. Fait que je vais répondre. On dirait que là, parce que je m'ennuie de jouer, il y aurait peut-être un petit... Eh là là, je vais peut-être risquer d'aller jouer. Puis là, ce que je viens de te le dire, on dirait que je me crois pas. Fait que je vais être obligé de... Je t'appellerai, Alexis. Tu m'aideras à prendre la décision. On regardera le projet ensemble. Tu me diras, ah, oh, je veux pas que t'ailles jouer là-dedans. T'es mieux de rester à la radio. Je veux t'entendre à tous les matins. Ou tu me diras, hey, sais-tu quoi? Je t'allais t'entendre à tous les matins. Je vais te voir juste 20 jours dans mon... Plutôt que je t'ai tenu en tant que animateur, je t'ai pas tenu en tant que... OK. Peut-être là, je voulais plus te voir jouer... Comme acteur? Mais tu vois, mais c'est... En ce moment, je suis content que ce soit une situation fictive et que ce soit pas vrai parce que tu vois, je suis vraiment embêté par ta question. Fait que ça va être ça ma réponse, elle est comme un peu plate, mais je réfléchis, je vous reviens dans une prochaine vidéo avec ma réponse. Tout au long de ta carrière, quel défi que tu as dû relever? Écoute, les défis sont multiples dans notre métier. Celui-là, de faire des choix, puis c'est pas toujours le cas. Hein. Là, j'ai l'air de me vanter que je choisis, puis je suis pas du tout un... T'sais, je reçois pas des dizaines de scénarios à chaque année. Je vais faire lui, pas lui, pas lui. C'est pas du tout ça qui se passe. Parce qu'on est nombreux à vouloir faire ce métier-là. On est nombreux à avoir beaucoup de talent, et je m'inclus même pas. Là, je parle, il y a tellement d'acteurs et d'actrices et d'animateurs et animatrices qui ont du grand, grand talent ici, chez nous, au Québec. Mais les principaux défis, ben, dans le cas de la radio, c'est de se lever à l'heure que je me lève. T'sais, le cadran sonne à 3h28 à tous les matins pour venir faire de la radio. Puis c'est drôle parce que ce qui me fait me lever à cette heure-là avec un grand sourire d'en face, au-delà du métier puis de la passion que j'ai pour ce que je fais, c'est la gang avec qui je travaille. Mais ça, c'en est un défi, ça. Les équipes de travail. Parce qu'à chaque fois que tu fais un projet de télé, cinéma, théâtre, humour, radio... Tu changes de gang à chaque fois. Tu changes de gang. Tu rencontres du nouveau monde avec qui ça peut faire « wow », mais avec qui ça peut aussi faire « oups ». On se comprend pas, on s'entend pas, surtout le matin à la radio. Ouais. Tu te lèves de bonne heure, tu t'es peut-être couché tard, peut-être que tu t'es chicané avec tes enfants, ton meilleur ami, ta blonde avant de te coucher le soir. Fait que la première personne à qui tu parles le lendemain, c'est pas ton meilleur ami, c'est pas ta blonde, c'est pas tes enfants, c'est toi. Fait que ça fait salut Alexis, comment ça va? Puis, hey, moi, j'ai pas à gérer ta. Pourquoi tu me parles de même? Je me suis pas dit, hey, laisse-moi tranquille. Tu sais, vite, ça peut escalader encore plus le matin. Donc ça, c'en est un, c'en est ça des défis. Les équipes, puis le principal défi, je te dirais que c'est aussi beaucoup la peur de manquer de travail, ouais. Là, parce que... Mais moi, pourquoi tu n'en prends autant? Pourquoi j'en prends autant? Ouais. Parce que j'aime ce que je fais. Puis oui, il y a peut-être un peu une peur d'en manquer. C'est-à-dire, OK, là, ça se passe, fait que je veux donc bien rien manquer. Mais quand on commence... T'sais, quand j'ai commencé ma carrière, je savais que ça faisait partie des risques et j'avais choisi ça. J'aurais pu là être, le métier de professeur m'intéressait beaucoup, professeur de français ou professeur de psycho. Puis la passion... Et le, même si j'avais le risque de manquer de travail en étant acteur ou animateur, était plus grande pour me propulser puis me faire triper à chaque jour de ma vie que de me dire, ça aurait vraiment été un plan B. J'ai énormément de respect et d'admiration pour tous les profs de toute matière, de tout niveau scolaire. Mais j'aurais eu beaucoup de fun, mais probablement beaucoup moins que ce que j'en ai en ce moment. C'est vraiment ça qui a fait que j'ai plongé vers un métier beaucoup plus insécure. Mais comme obstacle, c'est sûr que on signe des contrats, on embarque dans des projets, on sait la date de début, mais on sait aussi beaucoup la date de fin. Et à chaque fois qu'une date de fin arrive, on fait... Parce qu'on a peur qu'il n'y ait plus de date de début pour un autre projet après. C'est que ça, je te dirais que c'est un solide obstacle de la crainte de manquer de travail, de peut-être jamais en avoir ou d'en avoir beaucoup un bout de temps, d'en avoir beaucoup moins après. Je te dirais que c'est un peu ça, les principaux défis, la gang, la peur de manquer de travail, les heures totalement atypiques aussi. Tu sais, je suis papa maintenant, puis j'aimerais donc savoir, tu sais, on appelle ça le 9 à 5, là, tu sais, les travailleurs habituels vont prendre le matin, se lever, déjeuner, presque tout à la même heure, aller au coin de la rue, prendre l'autobus ou prendre le train, puis se rendre à leur travail, revenir à peu près à la même heure à tous les soirs. Tu sais, avoir une vie assez placée, routinière, qui fait que les enfants s'imbriquent bien là-dedans, puis on se voit tous les jours, on fait la routine du soir, on joue ensemble. Moi, dans mon cas, des fois, ben, quand tu fais une série de spectacles au théâtre, à titre d'exemple, t'es pas à la maison pendant 35 soirs sur les 45 du mois et demi qui s'en viennent. C'est tough, ça, surtout quand t'es à la radio le matin. C'est des horaires complètement atypiques. Donc ça, c'est un autre défi aussi, d'arriver à bien conjuguer travail, amis, famille, à travers des horaires complètement bizarres.
déjà pensé à faire une carrière internationale. Internationale? Oui, je pense que j'ai déjà eu ce rêve-là, adolescent, là, jeune adulte aussi, là, quand je commençais, avant d'être au conservatoire comme tel. Mais tu sais, moi, je regardais beaucoup de cinéma hollywoodien en plus de notre cinéma québécois. Mais tu sais, tu regardes des acteurs, puis là, tu te mets à triper sur tel acteur, telle actrice, puis tel réalisateur. Puis tu fais, hey, j'aimerais ça jouer dans ces gros films à grand déploiement. Puis je me suis fait un exposé oral sur les Oscars au cégep quand j'avais peut-être probablement ça, là, 17-18 ans. Puis ma prof m'avait dit, you'll win an Oscar one day. You'll win one. Well, I'm sorry, ma'am. It's not happened yet. And I'm not close, I think. I'm not that close to an Oscar. Alors, on sait jamais, tu sais, en même temps, en fait, c'est ça qui est beau. C'est que, tu sais, je prends les projets québécois récemment, entre autres le court-métrage de Marianne Farley qui s'est rendu, puis un autre de ses collègues réalisateurs, M. Conte, qui s'est rendu, je dis Conte, c'était juste Conte, mais bref, qui se sont rendus ces deux courts-métrages-là aux Oscars. Tu sais, on fait un métier qui est exportable, qui est international, qu'il n'y a pas tant de barrières que ça. Même si on fait un film en français, tu mets un sous-titre, il devient accessible pour les anglophones. Puis, je pense que Marianne a probablement fait son film de façon hyper personnelle, sans jamais se dire « Oh, je vise les Oscars! » Parce que si elle avait visé les Oscars, elle aurait fait un projet qui n'aurait pas ressemblé, qui aurait été un peu artificiel et qui n'aurait pas donné le super projet personnel que ça a donné. Mais pourtant, c'est avec un projet hyper personnel qu'elle s'est retrouvée aux Oscars, projet qu'elle a écrit, réalisé et financé elle-même, avec l'aide, évidemment. Mais bref, donc... Mais je reviens, je m'égare un peu, mais je reviens à ta question initiale. Oui, c'est sûr que j'y ai déjà rêvé, mais c'est plus, ça n'a pas été très très longtemps un moteur. Tu sais, c'est pas ça qui m'habite. Je fais pas, je veux une carrière internationale. Tu sais, si un jour il y a un projet d'animation ou de fiction qui m'amène à donner la réplique, aussi courte soit-elle, sur un plateau international, je bouderai pas mon plaisir, mais je sacrifierai pas la super belle vie professionnelle que j'ai ici, hyper effervescente, à faire plein de projets pour aller risquer un petit rôle de livreur de pizza qui se fait tirer dans le dos et qui dit une phrase dans un film, même si ce serait un beau kick à vivre, mais j'aime mieux avoir du long terme et de la quelque chose de bien nourri ici et de quelque chose de solide plutôt que d'avoir quelque chose de fragile et tout petit ailleurs. T'as mis le tapis rouge depuis toute l'année aussi. Le tapis rouge du Gala Artiste, ouais. C'est très international. Oui, effectivement, mais c'est drôle parce que quand j'ai goûté au tapis rouge l'année dernière, que je vais avoir la chance de refaire cette année avec Anouk en co-animation, j'ai regardé les tapis rouges ailleurs. Puis c'est là que tu fais, OK, ouais, c'est ça. Je suis un privilégié d'être sur ce tapis rouge-là parce que quand tu regardes les autres tapis rouges des Oscars, des Grammys ou même de nos autres galas québécois, tu vois, ouais, j'ai la crème des artistes. Puis ce que je trouve hot aussi, c'est que ça va faire 5 ans, là, je commence ma 5e année du Sucré Salé cet été. Puis ça fait donc 4 étés que je reçois pour certains artistes les mêmes pendant chaque été ou à répétition à chaque été. Puis il y a comme une complicité qui se développe avec ces artistes-là. Puis ça, je trouve ça le fun parce qu'après ça, sur le tapis rouge, on a beaucoup moins de temps. C'est des entrevues très courtes, très rapides et qui suivent à un rythme assez infernal. Donc, quand tu connais un peu la personne que tu vois puis que tu fais « Hey, salut Gildor, viens t'installer. Écoute, on fait ça vite. Oui, bonjour. Ben oui, je suis avec Gildor moi, en ce moment. Gildor, qu'est-ce qui t'attend ce soir? Comment tu te sens tes nominations? » Puis c'est en direct. C'est que c'est un autre truc qui me fait vraiment triper. Mais c'est pas international encore. Je vais les faire en français, mes entrevues. Jean-Philippe Dion, lui, il a animé le tapis rouge. Puis là, il est rendu animateur du Dala. Oui. Ça va peut-être t'arriver un jour. Hey! Si vous écoutez, quelle bonne idée! J'aimerais ça, c'est sûr que dans les rêves que j'ai, je suis hyper gâté, mais je suis quelqu'un qui aime ce qu'il fait dans la vie. Puis tu sais, animer un quiz, j'aimerais ça. Animer un gala, j'aimerais ça. Animer, tu sais, il y a plusieurs animateurs maintenant qui font des trucs, genre les comédies A, puis les galas juste pour rire, puis ils prennent plus nécessairement juste des humoristes, mais des fois, ils viennent chercher des animateurs ou des acteurs pour... acteurs et actrices, animatrices aussi, pour animer ces trucs-là. Puis je me dis, hey, c'est une autre affaire que j'aimerais peut-être faire. Ça fait qu'on sait jamais, je n'ai que 40 ans. Donc, j'ai plein de projets devant moi encore qui peuvent arriver, puis que j'ai envie d'accomplir. À telle heure, tu dois te lever le matin pour faire la radio à 5h30 et à telle heure, tu te touches la veille? Je me lève à 3h28 tous les matins. Et ce qui est drôle, c'est que on appelle ça le biorhythme. Mon corps est tellement habitué que souvent, je me réveille quelques minutes avant mon cadran. Fait que j'ouvrais les yeux, j'en fais quelle heure, je regarde le téléphone, 3h26. Et là, ce qui est beau, c'est que j'enlève l'alarme, je me lève, ce qui fait que ça réveille personne dans la maison, pas ma belle blonde qui dort à mes côtés, ni les enfants dans les pièces voisines. C'est 3h28 l'heure du lever et je ne snooze pas. Moi, 3h du matin, 6h du matin, quand
ça commence, la journée part, puis je la pars assez positivement, énergiquement. Moi, j'ai pas de problème à me lever le matin. Donc, 3h28. Et l'heure du coucher, Alexis, je devrais être beaucoup plus sage et me coucher. Tu demanderais cette question-là, tu poserais cette question-là à plein d'autres animateurs du matin. Ils te diraient probablement qu'entre 8h et 9h, là, c'est pas mal la fin, même plus proche de 8 que de 9. Je suis assez. Tu vois, hier, je me suis couché, il était 11h. Mm. 40 quelque chose. Yes! 23, c'est ça. Yes, c'est ça. Puis donc, ça fait en sorte que quand tu te relèves à 3h30, mettons 11h30 pour 3h30, c'est à peine 4 heures de sommeil. C'est pas super intelligent. Je me vante pas de ça, là. Mais j'ai cette chance-là d'être quelqu'un qui a pas nécessairement besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Donc, je pense pas que je suis. Je pense pas que je manque d'énergie en ce moment. Mm-hmm. Puis ce qui est fascinant, c'est que si ma journée s'arrête. Après notre entrevue, disons, là, si ma journée, j'avais plus rien, probablement que je serais chez nous, une fois arrivé chez nous, en train de travailler à l'ordinateur ou lire quelque chose, et là, je casserais en mille morceaux, puis je m'endormirais comme ça pour une petite sieste, malgré moi. Mais, tu vois, après qu'on se soit parlé, j'ai une répétition à l'OSM, j'ai une rencontre pour ce que ça allait après ça, puis je vais aller m'entraîner au gymnase avant de retourner à la maison. Mm-hmm. Mais tant que je serai pas à la maison, que les enfants seront pas couchés, c'est comme si là, mon corps puis mon cerveau savent qu'il y a quelque chose à accomplir jusqu'à telle heure, donc je ne casserai pas, je serai pas tant fatigué avant que la journée s'achève. Je sais pas comment je suis faite, mais quand j'ai sucré salé, j'ai la radio le matin, je pars à 9h15, je m'en vais sur un premier plateau, entrevue, on lunch rapidement, deuxième set d'entrevue avec un deuxième invité, je retourne à la maison, salut les boys, bonne nuit mes boys, allô ma blonde, bonne nuit ma blonde, je prépare mes entrevues pour le lendemain, puis je finis par casser à minuit, tu sais, mais c'est comme si tant que j'ai quelque chose à faire, je reste hyper vivant, hyper éveillé, hyper animé, puis dès que mon corps comprend que, ah, j'ai une petite pause, ok, bonsoir tout le monde, fin des émissions. Et des fois, je m'endors malgré moi. Là. Des fois, je regarde un film avec mes enfants, puis je suis le mauvais papa qui fait « C'est bon, les garçons? » Je m'endors, puis ils font « Papa, c'est drôle! » Puis ils ont le père à côté qui est un peu canté. Puis je dis « Non, je dormais pas, Ben oui, c'était drôle, là! Hein? Oh, oui. » Mais ça m'arrive. Mais il y en a qui ont besoin vraiment de faire des siestes. Je pense à Billy Tellier. Salut, Bill! Lui, il a besoin de sa sieste à tous les jours. Il doit dormir, tu sais. Tu dois lire un nouveau bébé aussi. Oui, effectivement, mais j'ai eu des jumeaux. Puis c'est zéro une compétition, là, c'est normal. En fait, c'est Billy qui est normal, c'est moi qui suis anormal. La majorité des gens qui font... j'imagine que Gino Chouinard fait pas mal souvent des siestes pour faire salut bonjour. Écoute, on se lève pas le matin tôt, on se lève dans le milieu de la nuit. Tu sais, 3h du matin, c'est pas tard, c'est pas tôt, c'est le milieu de la nuit. Pour la majorité du monde qui se lève entre 6 et 7, ben, t'es carrément dans... le milieu de la nuit. Donc, voilà. Fait que c'est ça mon horaire de vie, qui n'est pas la meilleure hygiène. C'est pas recommandé. Dans le guide des heures de sommeil nécessaires, je suis pas une référence. Comment tu fais pour avoir autant d'énergie? Je pense que je suis juste tombé dedans quand j'étais petit. Je pense que j'ai juste un niveau d'énergie ou une capacité d'en prendre peut-être un peu plus grande que la moyenne. Tu sais, qui m'ont dit, es-tu hyperactif? Ou je ne suis pas hyperactif au sens médical du terme. Là. J'ai pas besoin de prendre une molécule de Concerta ou de Ritalin pour l'anxiété ou l'hyperactivité. Ou j'en ai jamais pris. Je n'en ai pas besoin. Il n'y a aucun docteur. Mais c'est-tu quoi? Je pense que si j'étais le petit bonhomme aujourd'hui, à 8, 10, 12 ans, que j'étais quand j'avais 8, 10, 12 ans, à l'époque où on connaissait pas ça, tout cet univers-là de Ritalin, d'anxiété, puis de... probablement qu'on m'administrerait quelque chose. Puis ça vient toujours me chercher ce sujet-là, parce que je trouve que là, on a une tendance à administrer vite et fort, et t'as un peu d'énergie, on va te calmer, prends ça. Puis je comprends, là, les classes débordent, les profs en ont plein les bras, mais des fois, puis c'est drôle, il y a des... mon Dieu, je m'égare un peu, mes propos sociaux, mais il y a des pédiatres qui sont sortis récemment pour dire que, justement, on administrait beaucoup trop de ces pilules-là, et beaucoup trop vite, puis que des fois, quand un enfant a 6, 8, 10 ans, c'est peut-être juste... oui, il y a beaucoup d'énergie, surtout les garçons, mais c'est peut-être juste une immaturité, puis à un moment donné, il va rattraper la maturité intellectuelle et physique pour égaler l'énergie qu'il y a dans la vie. Mais ben oui, à un moment donné, ça se peut que ça fasse un la 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 dans le milieu d'un cours parce qu'il y a trop d'énergie, puis il a besoin de bouger. Puis je parle des gars, il y a des filles aussi qui sont comme ça, mais c'est plus généralisé chez les gars. Ça fait que fin de la parenthèse sociale pour dire que ça vient toujours m'ébranler. Mais donc, j'ai beaucoup d'énergie. Je suis peut-être un peu hyper actif dans le sens de j'en veux et j'en prends beaucoup, mais je peux pas t'expliquer. C'est biologique, c'est chimique. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais je pense que ce qui m'anime le plus, ce qui fait que j'en ai autant d'énergie, c'est la passion que j'ai et le fait que je trippe autant à faire ce que je fais. Quand tu regardes un bon film, à moins que tu sois vraiment cassé,
en mille morceaux. Le film va te garder réveillé même si t'es fatigué, tu comprends? Mm-hmm. Un bon spectacle, manger un bon plat, t'as pas faim, tu vas goûter à quelque chose, il est bon. Ah ben tabarouette, l'appétit vient en mangeant quand c'est bon. Mais j'avais pas faim, mais Colin, c'est tellement bon. Fait qu'on dirait que j'ai tellement de fun à faire. Tu sais, j'ai jamais employé le mot travail dans la vie avant d'avoir des enfants pour qu'ils comprennent que papa partait quelque part, puis ben ça s'appelle du travail. Mais avant que je doive expliquer ça intellectuellement ou rationnellement à mes enfants, c'est pas un travail que j'ai. Moi, j'ai la chance de faire à tous les jours ce qui me fait le plus triper au monde. Puis je te souhaite tellement la même chose, Alexis. J'espère pour toi puis pour tous ceux qui regardent, ceux et celles qui regardent, que vous allez trouver juste votre passion, votre affaire. Qu'est-ce qui te fait triper? La photo, les vidéos sur YouTube. Ben, continue d'en faire. Continue de lancer des invitations à des artistes. Puis là, c'est ça en ce moment. Peut-être que dans 6 mois, 6 ans, 6 semaines, ça va changer. Puis c'est correct que ça change. Mm-hmm. Puis c'est correct que tu t'investisses à fond dans quelque chose, puis qu'à un moment donné, oups, ça devient autre chose. Tu sais, mes enfants, si un jour ils veulent devenir, je dis tout le temps dentiste, là, parce qu'il y a supposément de l'argent quand tu deviens dentiste. Ouais, mais c'est parce qu'avant d'être dans ton salon puis de compter ton argent, il faut que tu répares des dents, puis t'as des mauvaises haleines, puis t'as des dents pas propres, puis des caries, puis à bouche grande ouverte avec plein de clients ou de patients dans ta chaise de dentiste, puis que tu répares ça, puis en plus, c'est un métier que le monde aime pas, parce que le monde aime pas aller chez le dentiste, puis tout ça. Si t'es architecte, ben, il faut que tu tripes à dessiner des maisons, pas à faire la même maison, le même toit, les mêmes pièces à la même place. Non, faut que ça t'allume, que tu veux, ah oui, tu veux une maison comme ça, puis que t'aimes la relation de je vais te surprendre, tu veux une pièce là, ok, t'es check, moi, ben, je vais te la dessiner demain, je vais te faire une cachette au sous-sol, t'as des enfants, marrer un mur d'escalade là, moi, j'ai la chance d'avoir ça dans la vie, de vivre de ma passion. Je suis gâté pourri, je m'en confesse. Je le comprends, mais c'est juste ça que je peux souhaiter à n'importe qui, et mes enfants les premiers. C'est pour ça qu'on les inscrit à plein de bébelles, nos enfants, de la danse au karaté, au hockey, en passant par de la musique, puis qu'on leur fait voir des différents univers, parce qu'à un moment donné, ils vont faire « Hey, ça, ah là, ça m'allume. » Puis là, ils vont y aller. Puis, tu sais, ma blonde a fait plein de métiers. Elle était prof d'éducation physique, elle était massothérapeute, prof de yoga. Là, elle est mon adjointe et elle a excellé dans chacun de ces domaines-là. C'est parfait que ça soit varié, c'est parfait que ça change, mais bref, le mot travail pour moi n'existe pas. Fait que c'est ce qui fait aussi que j'ai autant d'énergie, c'est que j'ai tellement de fun à faire ce que je fais que j'en vois pas le bout. Tu fais de la radio pendant toute l'année. Ouais. Tu te fais saler pendant tout l'été. Ouais. Tu en prends du temps pour ta famille. Je passe. Non. écoute, je te dirais que c'est de faire. Tu sais, la radio en même temps, oui, c'est tous les matins. C'est un sacrifice que je fais de ne pas vivre l'éveil de mes petits bonhommes à la maison, de ne pas être là pour le déjeuner. Chaque fois que j'en parle, je me dis, ah, est-ce que je manque, en fait, assurément, je manque des beaux moments. Est-ce que eux, c'est un manque qu'ils ont? En même temps, je sais par le combo qu'on forme, ma blonde pis moi, les matins, je sais qu'ils sont à la maison. Tu sais, je le vivrais différemment s'ils étaient avec une gardienne ou s'ils étaient abandonnés seuls à la maison. Mais là, ils sont avec maman, ma blonde, la meilleure maman du monde. Désolé. La maman de Alexis, juste derrière la caméra. Vous êtes une extraordinaire maman, assurément. Mais ma blonde est la meilleure. Après, il y a ma mère, après, il y a vous. Mais donc, tu sais, je sais qu'ils sont en sécurité, ils sont pris en charge par la plus extraordinaire des mamans. C'est que ça me fait beaucoup de bien de savoir qu'ils sont avec maman. Mais c'est sûr que je fais ce sacrifice-là de pas les voir le matin, de pas aller les reconduire à l'école. Tu sais, ils sont rendus en deuxième année, puis je suis allé les reconduire à l'école 4 fois. Tu sais, c'est pas normal. Mais ils ont un papa qui est heureux, accompli, et qui, quand il arrive à la maison, tu sais, est-ce que je serais un meilleur papa si j'étais à la maison le matin un peu triste à faire « Salut mon grand, on va aller à l'école. » Alors que là, quand j'arrive, j'ai l'impression que chaque moment est magique avec mes boys parce qu'on se voit moins, on se croise moins dans une journée que la famille normale. Mais en même temps, ce que j'allais dire, c'est que oui, je fais le sacrifice de ne pas vivre ce petit matin-là, mais les journées où j'ai rien d'autre après, là, moi, 9h30, 10h, ma journée est finie. C'est rare que ça arrive, mais je m'en vais à la maison, puis la majorité des soirs, ça, c'est pas rare, je vais les chercher à l'école, je les ramène à la maison, on a une heure de jeu ensemble, qui joue au hockey dehors, qui allait faire du vélo avec le beau temps qui revient, qui joue à des trucs à l'intérieur, au sol, ils me font un spectacle de musique, de danse, de je sais pas quoi, on s'installe, on regarde quelque chose à la télé ensemble, après ça, on soupe, on mange, on partage, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, tout ça, et un dernier petit moment ensemble, tu sais, c'est que c'est pas nécessairement la quantité de temps que je passe avec mes enfants, mais la qualité de temps que je passe avec eux qui est importante pour moi. Puis je pense que ça se ressent dans le papa heureux, dynamique, souriant qu'ils ont à la maison. Même si je suis peut-être pas le papa le plus présent, je serais menteur de dire ça. Mm-hmm. Je pense qu'ils ont un papa heureux et accompli. Même chose, ma blonde, elle a un chum heureux et accompli, personnellement et professionnellement. Mais je dois vraiment une fière chandelle à ma blonde parce que sans elle, ça se pourrait pas. C'est que des vacances, j'ai une petite semaine à l'hiver là, pendant la radio, juste
avant la relâche, parce qu'il y a toute une notion aussi de, bon c'est très technique, mais une notion de sondage à la radio. Il y a des moments où on ne peut pas partir parce que c'est un moment très fort de sondage où on doit savoir les gens l'écoutent et tout ça, puis on va offrir le meilleur show de radio à tous les matins, mais dans cette période-là en particulier. Donc il y a des moments où je ne peux pas prendre des vacances. Donc il y a une semaine en février où je pars avant la relâche avec la famille, on va loin au soleil sur une plage, puis on décroche. Puis sinon, ben, à l'été, j'ai une semaine de vacances. Nous, on tourne, tu sais, Sucré Salé, c'est pas en direct. Mm-hmm. Donc j'ai une belle semaine en juillet où, encore une fois, on va pas aussi loin. Ça peut très bien se passer au Québec, mais j'ai mon téléphone, je le dépose quelque part sur le coin d'un comptoir le matin et je leur dis à ma gang, vous pouvez me texter, vous pouvez m'appeler, mais ça se peut très bien que je vous réponde avec 24 à 48 heures de délai. Puis je vais continuer à répondre le soir, une fois que tout le monde est couché. Là, je vais moi répondre à des trucs. Mais je pense que je suis bien bon pour travailler, mais je pense que je suis bien bon pour décrocher aussi. Fait qu'il faut savoir les moments où il faut s'investir dans les vacances, comme il faut savoir s'investir dans le travail. Et si je termine là-dessus, c'est des longues réponses, hein, je m'excuse. J'espère que c'est un peu intéressant. Je suis désolé, tout le monde. C'est de savoir... Ah oui, t'aimes ça, merci, Téphine. Mais j'essaie aussi de savoir mettre dans l'agenda, puis là, je vais faire du name-dropping, mais c'est Patrick Huard qui m'avait expliqué ça quand j'avais tourné Bon Cop, Bad Cop avec lui. J'étais à mes tout débuts, puis il disait, tu sais, moi, dans mon horaire, il y a des plages horaires avec ma fille Jessie qui sont tout aussi importantes dans mon horaire que quand je vais tourner un film ou une série où il faut savoir accorder le même respect et la même importance à ce soir, je m'en vais au parc avec ma fille. Puis c'est dans l'agenda, puis t'as besoin de moi pour un tournage, malheureusement, je peux pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas important, je peux pas. Que je sois en tournage ou que je sois avec ma fille au parc, je suis bien, bien occupé, parce que dans les deux cas, c'est dans mon agenda, et c'est de préserver ces moments-là, parce que c'est sûr que c'est tentant, tu sais, pour moi ou la production qui te veut, l'émission de radio qui fait « Hey, on ferait une émission supplémentaire, une émission spéciale. » Non, mais je suis papa à la maison, je suis avec mes enfants. Ben oui, mais là, on t'offre une émission spéciale. Mais si tu réponds, ah non, malheureusement, je suis en tournage ailleurs. Ah, t'es en tournage. Un tournage, c'est comme on n'en parle pas, on y touche pas, mais t'es sûr, voyons. Ils te verront demain, tes enfants. Ouais, mais non. Ça, pour moi, c'est important. Je veux que ce soit là, puis je les vois tellement pas assez souvent qu'on va bien, bien garder ce moment-là dans l'agenda. Fait que voilà, voilà comment je gère mon agenda. T'as joué le rôle de Boboum, Jeff Fillon. Oui. Puis. T'as voulu être joueur d'hockey dans ta 5 ans, t'as voulu réaliser un peu ton rêve. Assurément. En fait, j'ai été très chanceux, moi, parce que j'ai joué dans les Boys aussi. Mais ça, je jouais un joueur de ligue de garage. Donc, c'est un standard. T'sais, c'était immense pour moi de faire partie de la franchise des Boys dans les téléséries 2, 3 et 4. Mais je te dirais que de jouer Boum Boum Geoffrion dans la série Jean Béliveau, fan de hockey que je suis, connaissant un peu les univers de ces personnages-là, les êtres humains qu'ils ont été, les athlètes qu'ils ont été. En plus, c'était tout un défi. Moi, je suis gaucher dans la vie, mais Boum Boum, il est droitier. Ouais. Avec des bâtons de bois, ce qu'on a pu, avec des palettes droites, ce qu'on a pu. Là, lui, c'est pas juste un joueur de ligue de garage, c'était le meilleur, parmi les meilleurs de sa génération à l'époque. Il a inventé le lancer frappé. C'était une grosse commande que j'ai prise avec beaucoup de sérieux. On a eu beaucoup d'entraînement sur glace. J'ai regardé des images d'archives, des documentaires sur cette époque-là pour voir comment il parlait, comment il bougeait, comment le hockey se vivait à l'époque, puis de s'immiscer dans l'intérieur, dans l'espèce de secret bien gardé du Canadien de Montréal et de comment Jean Béliveau est devenu le plus grand capitaine de l'histoire du sport, pas juste du Canadien ou du hockey, mais du sport en général, puis comment Boum Boum a vécu là-dedans, parce qu'il pensait que ça allait être lui le capitaine, puis ça ne l'a pas été. Il y avait de tout dans mon personnage, des beaux moments, des moins beaux moments, des moments où il est gentil, des moments où il était un peu plus rough. C'était vraiment une belle affaire, puis oui, ça me permettait. C'était comme si mon rêve de hockeyeur que j'ai jamais réalisé et mon rêve d'acteur qui se concrétise se rencontraient pour ce tournage-là, puis donner la réplique à des Marc Dubeaupré, pas Jean Béliveau, il s'appelle Pierre Cardinal, mais de jouer cet univers-là, puis donner la réplique à ces athlètes du jeu-là. C'était assez chouette, là, avec Frédéric Blanchette aussi, puis de vivre la communauté hockey, de vivre des scènes de vestiaire, c'était malade, là. Puis de porter le chandail du Canadien, mais en laine, le chandail d'époque, la production, je les ai tellement quémandés, j'aurais dit, hey gang, pour vrai, t'sais, ils font toujours un petit cadeau de production, là, des fois c'était un chapeau, une casquette avec le nom de la... J'ai dit, donnez-nous rien, donnez-nous juste notre chandail. Ça, parce que c'est des chandails qui ont été faits sur mesure, des répliques exactes. Puis d'habitude, ils gardent ça dans des musées ou dans des costumiers. Pour des futurs projets. S'il y a d'autres projets qui reviennent dans la même époque, ben le chandail, un tel, on l'a. Et là, moi, je dis, non, je le porte pas, là. Mais je voulais ça dans mon garde-robe souvenir. J'ai pas grand-chose que je garde en souvenir de mes affaires, mais ça, là, je peux dire que ce chandail-là... c'est drôle, je suis passé... Hier, j'étais dans les bureaux de production Pixcom qui ont fait cette série-là, puis j'ai regardé les posters de Victor Lessard, puis de Carly Max, puis là, je suis tombé sur le poster Jean Béliveau, Marc Beaupré en Henri Richard, et moi à côté, puis j'ai fait, hein,
c'est drôle que tu me parles de ça aujourd'hui. J'ai vu le poster hier, j'ai fait, hey, je marchais à mon auto, après j'ai fait, hey, j'ai quand même joué ça dans ma vie. Le petit cul que j'étais à Gatineau, là, tu y aurais dit, là, hey Pat, fais-toi-en pas, ton rêve d'acteur, ça va se réaliser, puis tu vas jouer Boum Boum Geoffrion dans une série sur le Canadien et sur Jean Béliveau. J'aurais fait, hey, merci, là, mais c'est beaucoup trop, là. C'est comme le rêve devenu réalité, puis je l'ai vécu, je suis tellement chanceux, là, vraiment. Fait que ça a été ça, oui, c'était vraiment deux rêves qui se rencontraient, puis j'ai trippé comme un gamin, mais j'ai cette facilité-là à triper dans la vie, tu sais, je te l'ai dit, c'est une passion, fait que chaque fois que je suis derrière un micro, que je suis devant une caméra, que je suis sur une scène, je capote. C'était ton premier emploi. C'était quoi mon tout premier emploi dans le showbiz? Non, à l'extérieur du showbiz. À l'extérieur du showbiz, j'ai hérité de la... Ouais. Pardon? Ouais. Parfait, merci. C'est super gentil. Merci beaucoup. J'ai hérité mon premier travail dans le showbiz ou hors du showbiz? Hors du showbiz. Ben écoute, c'est des trucs que j'ai hérité de la run de journaux de mon frère, où je m'en ai déposé le vélo pour aller poser un journal dans les U de la boîte aux lettres dans un nid de guêpe. Ça fait que j'ai déposé mon bicycle dans le nid de guêpe, puis quand je suis revenu, j'ai repris mon bicycle et pendant que je roulais jusqu'à l'autre adresse, je me faisais piquer partout sur les jambes par ces guêpes-là qui m'ont suivi et je me suis fait prendre... Je me suis fait prendre la poche de journaux puis de me sacrer à grands coups. Je me disais, c'est gros, ça va me décraser 3-4 à la fois, mais des piqûres d'abeilles, heureusement, je suis pas allergique. Mais ça j'en ai eu des dizaines. Là, j'avais le mollet complètement enflé ici à gauche. Sinon, j'ai été moniteur de camp de jour aussi. Puis sinon, c'est drôle, j'ai travaillé dans l'école où j'allais comme étudiant au secondaire. Je faisais partie de l'équipe de ménage l'été. Fait que les gommes que j'avais peut-être collées en dessous du bureau pendant l'année, c'est moi qui les décollais. Tout ce qui était les tableaux, on faisait vraiment un grand, grand ménage. On réparait les livres de la bibliothèque. Mais tu vois, c'était une job un peu plate sur le coup, mais quand t'as l'impression d'arriver à la bibliothèque où t'entendais des collègues au début d'année faire « Ah, c'est dans mes propres » ou « Ah, le livre est réparé » ou tu faisais « Ah, ben Colin, c'était le fun de contribuer à la santé physique de l'école à laquelle j'allais. Fait que ça a été ça mes premiers emplois hors showbiz. Plusieurs articles ont sorti des livres cette année ou dans les dernières années. C'est vrai. Est-ce que tu souhaites en écrire un? Une biographie ou un livre sur moi? Ouais. Monsieur! Non. Bon, non, je pense pas. On dirait que j'ai... Ah, mon Dieu, non, mais on dirait que j'ai rien de... On dirait que ça prend comme quelque chose de spectaculaire à raconter, tu sais. On dirait qu'il faut que tu tournes la page, puis après la pause, il sombre dans l'enfer de la drogue. Ou après la pause, un accident. Ou après le... T'sais, on dirait que ça prend quelque chose qui te fait tourner la page, puis j'ai... Moi, j'adore ma vie, mais il y a rien de si spectaculaire que ça pour que Non, on dirait que... C'est parfait pour tous ceux qui l'ont fait, d'écrire des livres, là, mais on dirait que... Il y a des fois où je me suis demandé, ah ouais, il a écrit un livre, ouais, elle a écrit un livre. Fait qu'on dirait que j'aurais pas le goût de faire partie de ceux qui font dire, ah ouais, il a écrit un livre. On dirait que j'ai rien de si spectaculaire à raconter. Fait que non, je pense pas, c'est une bonne question, mais je pense pas que c'est un... Ben, je te dis ça là, on est le 27 mars 2019. S'il m'arrive quelque chose de spectaculaire d'ici la sortie de mon livre à un moment donné, quand j'en sortirai un, si j'en sors un, là ça se peut, mais aujourd'hui, mais je te dirais qu'avec la vie que j'ai, que j'adore, mais et que j'assume pleinement, mais il me semble qu'il n'y a rien de... En ce moment, là, je me vois pas faire cet exercice-là d'écrire un livre. Je ne pense pas. Mon choix d'entrée préféré de tous les temps, ton bon ami Daniel Brière. OK. Je me demandais peut-être qu'il est devenu. Daniel Brière est dans le coin de Philadelphie en ce moment parce que c'est là que ses enfants vont à l'école. Mm-hmm. Là, il y en a deux grands qui sont un peu partout ailleurs aux États-Unis grâce au hockey puis aux études. Mais il y en a un plus jeune encore qui est à la maison avec lui. Puis lui, il est rendu, je vais dire président, c'est pas exact. Daniel, pardonne-moi, j'ai pas le titre exact, mais il est genre le Chief of Hockey Operations, tout ce qui est opération hockey autour de la nouvelle concession dans la East Coast League, donc la Ligue de la Côte Est, pour... les Mariners du Maine. Donc, je pense que Daniel, mon feeling, s'il aime ça, je pense qu'il risque d'être directeur général d'une équipe de la Ligue nationale de hockey à un moment donné. Tout le monde, dans le temps où il jouait, disait à quel point c'était un joueur intelligent, mais un gars intelligent, un gars capable d'anticiper, un gars qui était capable d'aller voir ses coachs ou puis de construire des lignes ou de dire, hey, c'est ce genre de joueur-là qu'on a besoin d'être un bon visionnaire de hockey. Puis je pense qu'il garde ça. Puis tu sais, c'est un... Tu sais,
c'était pas... Daniel avait un grand talent, mais parce qu'il était plus petit, il a toujours eu à se battre contre les plus gros, puis il a trouvé d'autres façons que juste son talent pour se démarquer. Fait que je pense que ça l'a fait voir le hockey d'une autre façon, puis ça l'a fait regarder la game avec un œil différent. Puis tout le monde s'entend pour dire que c'est une solide tête de hockey. Donc j'ai l'impression qu'il risque peut-être à un moment donné de se faire offrir, graduellement, là, c'est pas pressé, mais j'ai l'impression... Mais c'est drôle parce que quand les Flyers ont congédié Ron Hextall à la fin de l'année passée, je l'ai texté, puis j'ai dit « Oh, est-ce que je texte le nouveau directeur général des Flyers, puis il m'a répondu, il est beaucoup trop tôt. Mais il n'a pas dit non, il a juste dit il est trop tôt. Mais fait que c'est ce qu'il fait, Daniel, hyper heureux à la retraite, hyper stimulé par ces nouveaux défis-là, puis il joue au golf beaucoup. Chanceux. Ça te fait toi d'avoir une fan aussi fidèle que moi, depuis une d'années? Écoute, ça me touche beaucoup parce que tu m'es hyper fidèle. On se croise, on en est à notre 14e aujourd'hui. Ouais. Je l'ai eu. Puis, tu sais, t'es souvent, t'apparais dans les affaires que je fais parce que tu me suis, tu sais où est-ce que je suis, où est-ce qu'on tourne, tel truc. Puis, tu sais, moi, j'ai été et je suis encore groupie ou fan du métier que je pratique, des artistes que j'ai la chance de rencontrer. Tu sais, souvent, quand je reçois un artiste ou une artiste, que ce soit de la chanson, de l'humour, de la télé ou du cinéma ou du théâtre, à sucré-salé, souvent, la veille ou avant, faut que je me parle pour que je fasse « OK, là, t'es l'animateur. » T'es égal à égal avec cette personne-là. Mais avant et après, je fais « Oh mon Dieu, c'est un tel ou une telle qui s'en vient, avec qui je vais jaser. » Je suis tombé content, je suis tombé chanceux. Puis on dirait que ça m'étonne que ça puisse te faire ça ou que ça puisse faire ça à des gens. Et je dis ça en toute modestie, là, vraiment. Mais ça me touche beaucoup parce que j'ai... Si je représente la moitié du 20e de ce que mes vedettes préférées ont représenté et représentent encore pour moi, ça me touche beaucoup. Puis t'es hyper, c'est ça, fidèle à chaque fois qu'on se voit, photo, autographe, jasette, puis tout ça. Ça fait que ça me fait super plaisir, ça me touche beaucoup. Puis vous êtes tellement nombreux. Non, c'est vrai. non, des comme toi, il y en a juste une. Puis j'essaie d'être là à chaque fois que tu présentes un événement. Absolument. Tout à fait, t'es là. Je me souviens, à un moment donné, je pense que tu nous avais aperçu quand je faisais la travail avec Eric Lapointe l'année passée au Francophonie. Mais en fait, mon ami m'a dit « Patrice, est-ce à la scène? » Tout ça, puis... Là, je me dépêchais d'aller en arrière de la scène. Ben, c'est ça. J'avais attendu pendant 30 minutes. On a fini le tournage, puis pouf, t'es là, puis là, tu disais, ça fait 30 minutes que je t'attends. Puis là, ce qui est difficile des fois, c'est que, tu sais, aujourd'hui, on a du temps, on peut se jaser. Mais cette fois-là, tu sais, on était super pressés pour aller luncher, fallait revenir pour le tournage, puis blablabla. Fait que j'ai pas toujours le temps que je voudrais pour te l'accorder, mais tu comprends tout le temps, puis on fait une petite photo rapide des fois, malheureusement, puis on se reprendra la prochaine fois. Mais tu sais, t'es là au face à face, t'es là aussi aujourd'hui pour m'interviewer, puis ça fait que ça me fait toujours super plaisir de te voir, Alexis. As-tu des projets pour 2019, qu'on sait pas? Oui, mais je les sais pas moi-même. Non, rien de précis. En fait, la radio qui se poursuit jusqu'à fin mai, début juin pour moi avec la gang du 96.9 de Boulet Comique. Ensuite de ça, à travers ça, il y a le tapis rouge, j'ai Sucré Salé qui repart le 20 mai. Sucré Salé dans votre télé pour la 18e saison de Sucré Salé, ma 5e comme animateur, parce qu'il y a un certain Guy Jaudoin qui a fait ma première partie pendant 13 ans. Salut Guy! Donc non, c'est pas mal ça qui m'occupe. Et c'est sûr qu'il y a plein de petites débelles à gauche, à droite, des quiz, des apparitions ici et là dans d'autres émissions, mais j'ai pas de projet à moi que je mène ou que je chapeaute ou que je crée. Mais tu vois, là, en ce moment, je suis en train de me dire, OK, bon, ben, pourquoi je provoquerais pas mon propre travail? Tu sais, je me dis, ah, pourquoi attendre qu'on m'appelle pour me faire animer un quiz? Pourquoi pas essayer d'inventer peut-être un quiz ou autre? C'est que, mais j'ai rien à t'annoncer aujourd'hui, malheureusement. Déjà, avec la radio Sucré Salé, ça fait un agenda très bien rempli. Patrice n'est pas sur les réseaux sociaux, mais. Ben, non! Je suis pas sur les réseaux sociaux, mais on peut me voir à la télé avec Sucré Salé à compter du 20 mai prochain à TVA. Puis on peut m'entendre où aussi, Alexis? Assieds-toi à tous les matins de 5h30 à 9h. Avec la gang de Deboulé Comique, Billy Tellier, Tammy Verge et Martin Cloutier. Merci beaucoup, Patrice. Hey, ça me fait plaisir. Merci à toi, Alexis. Salut tout le monde.